Nos sources dans la région affirment que les groupes armés locaux et les FARDC ont repris la cité des Mouesso. Mais pourquoi cette nouvelle plateforme? Qu'est-ce que ça va apporter au sein de l'Union Sacrée? Bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec l'Union Sacrée. Bandeko makambweza minene. Oyo kaka. La bataille de la primature au sein de l'Union Sacrée. Donc, nanya kozala wana qui sera premier ministre. Entre bango ba regroupement bandi pour occuper ma poste. Alors, Kamere, pour contrer l'IDPS, Kamere lance le PCI. Makamweza minena wa, alors bo yebiete, bako linga pena Kamera za la premier ministre eta, groupe wana nyoso pe basangani. Ezaya ko inda, esye indi. Deuxième point chez téléspectateur, FARDC vient de récupérer Mouesso, mena next Mushaki Kichanga. Après wana, Toko yoka message à Ramaphosa. Sur Esta EDC, message à Pesipaya, ministre de la Défense, a eko koutana na bimba. Matche za mobulu. Alors, toza la connecte, pe toko développant une émission na biso. Bandeko, ça chauffe déjà. Kalate parle mezo banda. Bako banda bakambo kolouk informateur à kobanda. Baluka nani akozala premier ministre. Bakotalo sein de la majorité ndenge tudangwe kozala. Chers téléspectateurs, mbaloyo parce que ça va le conde ba remplacer et ben non. Donc nani akozala premier ministre ndeni bakokabula ba poste ndeni makamukoleka. Et maintenant poste à premier ministre est opposé déjà ba babandi makamu na bango. Mutabandi nani? Kamere mutabandi desordre déjà. Soki ya sali recrutement na yi. Et ça non ma biti. Mais, aluki toi comme en ansan, comme ça, IDP sa na 69, ya leka IDP. Et ba moussou wana, bousa kaninyo sakriti. Ozo mona te kazana problème parce que Ezali a komi ko kang sa batu pour epe sa e majorité aza la premier ministre. Et se ba kongole ba ko sepe la kagame premier ministre watu tik. Parce que makambo pour le moment mbo kandenge zo kende ba lobi e fatia sa loba ki a bwebe les erreurs du passé ko zongati. Mone le makambo ebele nde na yoki mona kagama oz, nani kamera koz nandimiti kila la chance me oyu ya bandi oyu ekoluke kriye problem ya kolubangana zui bate ebele ke baninga mususu dongana za la VP na za la premier ministre makambo yo eko benda toujours désordre na kati ya Union Sacrée. Idée bien zaga ke botika la Union Sacrée majorité na Assemblée nationale facha pona premier ministre c'est tout. Et puis na ebike kozala bongo. Alors, kamere sikoyo lokola monaiki IDP sa sa majorité, allez. Yango pa réunion pe badi. Kabou ya aske de azo koutana na ba. Parti politique wana. Pas sangana. Et c'est tout.
regroupement politique na bango sikoyo et ko leka ya ye kamere omoni place a basili si mbala moko. C'est pour cela que ba rencontre ne zo sala me bele ba otu a réseaux sociaux ba rencontre za seulement ba tu ba zo kusangana ba nani ba kozala moko na ba oza premier ministre Bemba azo visa za na poste wana. So ba tche Bemba, ba tche kamere, ba tu wako pona Bemba. Eza yako inda, esye inda, ba ta kamere boza na kole na ngati. Nazo pesa ka ba ide kaka. Poto ebe te likambo ya premier ministre, nde mutu masolo mikolo. Facha za ka okoma kako. Ayo zwa ka note. Alo, session parlementaire zo banda kalati. Janvier silite uko ta février. Et puis c'est sur mars et Zoban. Le nouveau gouvernement. Mais message de Zoé Sabino, message va congolais va lobby Zaboui. Ozala nani o kozala premier ministre, tala nani a kozala ministre namboka na biso. Fachi ba congolais va lobby. To boy ba to ba ibaka. To boy ba to ba benda kabalara l'état. To boy ba to ana nyoso. Ministre zane boule me biso to boyka mutu ayibaka. Tozana besoin deuxième mandat ndenge ba projet bandi ya botoroute makabwe bele le kole bandi déjà ki sa le même banda. Premier ministre za moko makasi alanda ba travaux na chaque ministre ndenge ba travaux zo salam. 145 territoires zana makabwe bele. Zomona na kolanda ba directeur général de Basnel. Barégie des eaux, Namakamba Mai, tous ces gens, bon, changez, bon, bon, tiens, batasika. Déjà Snell, déjà Régie des eaux, bah, ça va, il faut pas changer, bon. Donc, ma camboise, belle, ils ont qu'une deuxième quinquennat, un changement. Mais, faut que ça, qu'une, ou peine, à vitesse, à ma bé. Y'a où ça, ganaté? Bah, bateau de pêche, et Zakoya, Ponakulia, Kitoko, Mbisi Pamba Pamba, Yami Bale, Bakuto zwa 7 milliards, dekese donc, Chine pena bani a dekese, moi oyo, apesi 300 millions, moi avril apesi 400 millions, 700 millions par année, chaque année a lebazo construit banzila. Donc azo kene na lira ko sakanati. He na este kuna, masolo, ki salume banda. FARDC a récupéré Mweso, Lelo. Boyebika après Mweso, Kiliwe, Kichanga. Ezaya ko inda, esye indi. Donc, ce qui te hota là, vitesse ça ya ko sakana, te de croisière. Alors, ce qu'on saute au tali, ce qu'on gouvernement sika ouye, il faut pas nous kamouta bien. So boyebi so mouta ma be, eko simbati. Ba Congolais bazana besoin ya mutu oya ko bonza mboka na biso totanga. Indie ezaya ko indawa donc fachi yo sikozo mona teke kote batu bazo boma na mabe ba musuba ko sala tala ba regroupement tala ndenge basangani akameri. Makabweza minene. Togo banave Kamere. Eco News. Pour contrer l'IDPS, Kamere lance le PCR. Les billets demandés fait savoir que ce mardi 23 janvier était réuni autour de Vital Kamere, leader de l'INC de Sirkoa, vice-premier ministre en charge de l'économie et allié historique de Félix Tshisekedi, fraîchement réélu à la présidence de la République. Jean-Lucien Boussa, président fondateur de la CDR, ministre du commerce extérieur Julien Paluku, ministre de l'industrie, auquel se sont joints les représentants de l'AVK 2028, AB50, AMSC, IAAP et le code entre autres. Basangani. Réunis dans un hôtel commune de Gombe, ils ont annoncé la création du pacte pour Congo retrouvé. L'arrivée sur la scène politique congolaise de cette nouvelle plateforme qui nourrit des ambitions que l'on veut légitimes
n'est pas étrangère à l'imminence de la convocation de la session parlementaire et dans la foulée, la constitution de son bureau estime Econews. Kamera Talibou IDP 69, Aliya Kassangsi Batne Akoksi 100. Pour y aller à IDP. Et de l'autre côté, Union Sacrée, Babem Bapé à l'Ouetin, Bisopeto Sangan. Parce que Kabouya, Aza pour Bemba. Alors, Baeke Masolezala. Donnez vos hommes à Bangona Serno Tour et Maman Marthe. Maman Marthe, vous voyez, il y a un mot à dire dans la IDP. So, vous voyez, bagati. Alors, Bama Solo et le Kakuna, ngana auto ibite me boye bake photo esa illustration ozo comprendre tout ça ko illustrer yango ezate ke photo mono photo ana esa photo esa la esa make na des ba kanke on a décembre mais tous yo en photo illustrer te expliquer ba congolais ndeto lo ba batwana de bozo mona ba mba zo solo ba za masulu masulu esa nini il faut premier ministre Azala. Côté Oyo, IDPS a soutenir. IDPS a soutenir Nani. Parce que Samalu Konde a ébiqué déjà. Faut pas changer. Alors, la bataille est prématurée. Les partis présidentiels affirment ne pas voir cette initiative d'un mauvais œil. Même si certains caciques du régime, il voit déjà une force en présence pour revendiquer des postes au sein de futures institutions. C'est en tout cas une grosse manœuvre au sein de la majorité présidentielle avant la formation du gouvernement et la mise en place des nouveaux animateurs des institutions politiques. Donc, il y a un poste à poste à Premier ministre. Et aussi, donc, à l'ongola, babouluana, osso, ya, FCC, ya, cash, ou whatever, babouluana, c'est l'ongwa kamere. À toi, dans le monde, ou yo, bah, congolais, bah, réseaux sociaux, n'est-ce pas, il faut que, bah, ou yéna, quand t'as monde, ou yo, bah, congolais, bah, na vitesse, à quoi, ça, kanati. Alors, maintenant, moutounyo, ça, zo, visé, que, azalana, prématuré. Mais la situation qui est là, et ça m'a comme à consacanaté. N'denge ma kambozo kende. Nanou moutoua e banite. Oba loubake si e yindi, e yinda kaka. Donc, matche kota kaka mobulu. Donc, oba loubaka somo. Allo. Ce qui tozo tala, ndenge makambo ezo kende, ozo mona clairement ete, situation eza ya kusakana te. Alo, maintenant, bate IDPS balobi na kamere, bata batwa osangana ba, donc c'est ça. Mais, to yebeti, boula kamere, eza ke akoma na primature, premier ministre, donc c'est ça. Tu y habites. Soki ndeni kuzala. Bon, wana eza somo. Alors, baramboka to développer ma solo pour matcher za mobulu. Alors, bandeko avant même to avancer, to landana nu ba question batuni Julien Paluku muta kamere o basali na yi. Bloc wana PCR. Parce que nous avons une clarté dans la catégorie sacrée, nous avons un bloc. Kamere, il y a un problème. Bon, il y a un problème. Mais pourquoi cette nouvelle plateforme? Qu'est-ce que ça va apporter au sein de l'Union Sacrée? Est-ce que ça ne va pas, ça ressemble pas à une dislocation progressive de l'Union Sacrée, celle que vous venez de créer au sein de cette plateforme politique?
C'est plutôt une consolidation de l'union sacrée parce qu'au moins il y a un groupe qui s'est identifié comme appartenant à la famille de la majorité présidentielle. Ce que je pourrais rétorquer à des gens qui posent ce genre de questions, ce sont plutôt les gens qui ne se sont pas encore identifiés qui seraient suspects. Parce qu'ils attendent le moment peut-être où on va commencer à parler de quelque chose à tirer à gauche, à droite, pour commencer à se réclamer de la famille de la majorité présidentielle. Mais nous l'avons fait. Aussitôt que nous avons été interpellés par le discours d'investiture du président de la République, qui a peint un tableau qui interpelle chacun des Congolais pour se dire, évidemment, nous avons connu des problèmes, il y a des choses et des ratés que nous avons connus, mais pour ce mandat ici, on n'a pas droit à l'erreur et nous devons nous organiser pour qu'ensemble, nous puissions aider à la transformation d'un Congo tant rêvé par les Congolais. Parce que le chef de l'État, lorsqu'il a fait le tour de l'ensemble de la République, il s'est rendu compte qu'à Kinshasa, il y a une réalité et à l'intérieur, il y a une autre. Et que donc, il a besoin que tout le monde se rassemble autour de lui afin de mettre en place un mécanisme, une gouvernance qui permette effectivement de rencontrer les attentes de la population. Alors, Julien, vous parlez notamment de renforcer la cohésion au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi. Peut-on vraiment parler de cohésion lorsqu'on crée un bloc dans un autre? Et puis, vous n'avez pas associé tous les leaders du Présidium, par exemple. Pourquoi Jean-Pierre Bemba n'est pas avec vous? Pourquoi Augustin Kabuya n'est pas avec vous? Pourquoi Modeste Bahati n'est pas associé? Et même le président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Moi, je pense que là où les gens se trompent, c'est qu'ils confondent l'union sacrée aux personnes. L'union sacrée, c'est une vision qui a été développée par le président de la République pour appeler à la cohésion nationale. Si vous vous rappelez du discours que le chef de l'État avait prononcé, je crois un discours d'à peu près 7 minutes, il n'a pas présenté l'union sacrée comme étant une union des personnes. Il l'a présenté comme une vision qui a pour objectif la refondation d'un État. Et donc aujourd'hui que les gens commencent à considérer que l'union sacrée c'est une, deux ou trois personnes, ça c'est s'écarter effectivement de la plaque. Voilà pourquoi nous, en tant que membres de l'union sacrée, nous nous sommes réunis, nous identifier comme appartenant à cette famille qui vient de gagner les élections présidentielles et qui doit relever les défis tels que définis par le président de la République lorsqu'il a fait son discours d'investiture. Alors, nous ne sommes pas une plateforme. Dans une plateforme, il s'agit effectivement d'un groupe au sein de cette grande vision qui a l'ambition de participer à l'accompagnement de ce que le président va faire dans les 5 prochaines heures. Allo, bande koto landi bata kamerite. Bozo monate ke il y a un problème. Bolandi wana nde batuni journaliste atune me tozani nyosa ke bino ko sa susu. Ba bloc bosu ya nini kameri. Hey, kameri yo karatea. Oebi oyo bozo luka oyo pas journaliste azo tuna yi. Oyo bo crier li sue lokoni. Siko boa musupi ba kusangana renyo ba solo la ba yeba ye kameri bula ye za nini. Me ba niko lobane siko otea. Kamera ko regrete ma be wazo sala. Eko ye la engai. Owa komi na 100 depiti. Ah kameri. Azo tia tembe na ba katumbi ba tebele me ante ta zo kreye biso dezor na kati nyo saka. Alo, bana mboka. En tout cas, tolandi biso nyonso bata kamera. Bino bo pesa message. Kamera zo lukanine aboma inyo sakre. Azo lukanine asala nakati inyo sakre. Alo, to developpe ma solo oyu. Ndenge makambo ezo kende. Avanson. Chers téléspectateurs, to tangi, to talidon. Ndenge bazawana. Kamere asali nini mokodo ye mutabandi. Parce que ma forme au luka nana za majorité na kati union sacrée pour la premier ministre selon de ma kamango ezokine. Alors ya rapidité mbala mo asali ale côté nous on mona ke e aussi mbate bato en tout basangani mbala mo pe pour caméra sali pour barrer des pèses
nzoana salire ba MLC ba IDPS tout aller liboke moko. Donc maintenant il a un problème. Comment nenga nini ya kena kimbangu ko luka PCR asaba Julien Paluku tout ce monde pour basa la paix à bango pour yazala. Mais ba congolais ba ko sepelate c'est pour cela. Il faut pas caler pe kamerike alika azo majorité wanati. Parce que je sais bien que ba congolais ba ko sepelate caméra za la premier ministre. Na nyo so le passé et le qui. Ma comme belé to mona ki vérité. Moutinyo so ayebi to ko lo bangoti mais ba se ba tombole na facha za la kuna za ministre c'est tout. T'as la menace de s'indiquer au salam, ma manœuvre bandit politique. Mais bah y'a qu'au tout la union sacrée, pas la nini caméra sali boy. Union sacrée avait été mut bazon lukaga mutamdal kwa poste à quatre institutions, bah tu vois salam bah regroupement. D'une manière d'une autre, caméra zon luka premier ministre. C'est quoi tout ce qu'on a bino. Bondimi vraiment, caméra premier ministre. À Congolais bah lingata. Et puis, bah, quand il faut, bah, très bien que position, tu as un bout là, ouyo. Pas d'erreur. Yo, moi, le bâtiment a discours. Et puis, facha, a aussi l'erreur du sous-bongoti. Alors, voilà ce qui se passe pour le moment. Bah, réunion, je salam, anandenga moukiti. Oh, bah, le baka, ouyo, bah, zo koutana, ouyo, bah, zo koutana. Donc, n'denga to tangi wana, zo n'a ka barre la route na IDPS. Kamere. Eh hey! Bon, situation c'est ça. Alors, sous aucune opposition, bango pe moussou pe bango. Fayulu Katumbi et Nabatia PPRD, bango pe kuna bakuta na mokonzi, pour la koutam samba. Nabande komi kolo na zo comprendre batout. Ba yem sa ki bani, je ne sais pas si ils ont compris ça. Bango bazo kansa ki otan de la meona eza po ba vanda po na gouvernement. Est-ce qu'ils n'ont pas compris cela? Fatia lobito sa l'opposition moko républicaine po to tam sa mboka ensemble. Est-ce que ba yo ke parole wana bien? Et comme yo, voilà to koutana moko za mboka, ba négociation to solo la, po na ndenge to tam sa mboka, oyo, boy na boy. Bon, solo la po, bon, la ba député, kuna na Assemblée nationale. Je crois bien, ils n'ont pas compris ça. Peut-être, ba yo kaki biente, peut-être, pe, kakana nena mbrima kaka, to koutana to solo. Sans hésitation, fa yu accepte mba la moko. Akoutana fadji. Moni, mena demi dizi, fadja sa la discours, ane atika ou mona fadja ke da yita. Aye, bon, mon akébé, la situation de komi. Bandeko, et sa émission, vous en a aidé, kozo, goyo, goyo, kapena, message à qui a failli. To koutara, to bon, sa, ma kambo, elekin, élection, yo, élection, koyeza, souté, to solo, ba solo, la, et sa, ma kambo, ana, ba posteti. Et sa, que, opposition, moko, républicaine, ou, ils ont construit, baza, ko, contredire, gouvernement, et puis, baza, pe, ko, solo, la, mo, panzi, pour l'intérêt à Mboka. Mais exacte que bino bozoya na boule bako pesa au poste na gouvernement. Eza bongoti. Posona landaki epengene nga lobaki. Omona ke don gaza ko sepela so façon nga zuluba. Alors, wana eza entre parenthèses. Bango opposition ba préparer ba député. Basse à l'opposition na parlement. Poto zala na vraie opposition. Alors, baramboka, tome à corriger premier point. Poste à premier ministre, ndé yangwane prématuré mon nyo sa ngazala wana. Alors, c'est ça. En tout cas, tu komo tika mon abino, tu komo kendena deuxième point, parce qu'on a déjà barénu et bandi. Kalate, session parlementaire. Alors, banamboka, tu commences la deuxième point. Oh, deuxième point, c'est ce bande Konanga. Bonne nouvelle. FARDC,
vient de récupérer Mweso pour la première fois. Banda ba banda kako c'est le feu ba attaque Mweso kaka la journée mo ba récupérer Mweso et puis baza kokende eza suma kama marche arrière next mushaki kiliru kichanga donc et c'est fini. Un 23 n'ont pas pu même résister. C'est fini. Et maintenant, bazo laksa bango sukoke et comme temps. Entre temps, bazo tina wo message, ba me mangona diplôme, bazo sont ki botika ba arme, bokene cantonnement. Botika ba arme, bazo pesa message à la communauté internationale. Bango bazo lingati. Et maintenant, ki salome banda. Message à présent sud-africain toko bananango après toko yana FARDC. Ramaphosa Oaza, président ya sud-africain, a tini message et pas mokonza mboka. Et yé par l'intermédiaire et pas ya Bemba, ba eko pesa na ministre de défense. Message yana ba pesa na mokonza mboka, alors ministre de défense a yamba ki moninga na ye ministre de défense. Ba yaki toute une équipe ya défense sud-africaine et puis basangane na défense na biso na armée basape na réunion masolo kito réunion ezaki tout autour drama présent sud-africain lobby que aza décidé ya ko libérer est et puis ça dégaye na mandat moko spécial ya est a EDC ekoma libre et puis bitumba esila. Alors, ma solo pene beta makina na ministre sa défense, ma solo leka ki pena très bien, ba solo la ki, et pesa ki toko ki, et zo mona clairement que vraiment, fati aza appuyé. Donc, ma solo eza roke de bien. Alors, le président sud-africain, a lobi ke aza déterminé. Yangwana tina ki ministre na ya défense, a okuta na bemba, ba pesa message na mokonza mboko. Que baza déterminé ya koudi ba groupe armé nyon sona est ba pacifier est wana. Et puis ils avaient dit ceci, sol la ke mission à lobby, que bango nan be choua na mission na bangoti. Et za ya ko yinda, es nan be choua te. Eh, oh. Ma kamboza minene awa, ils n'ont jamais échoué. Yango ba pesi message, ba yebisi, ba continuer que bango baza déterminé pour na ko soutenir la guerre à l'est pour na ko pacifier est wana. Ils avaient dit qu'ils vont commencer par le 1-23 après ba ken ba groupe armé wana nyonso. Alors bandeko soko tali message oyu eza vraiment très profond az bazana volonté spéciale boko yo ka message na e que vraiment mboka na biso ezala pacifie. Alors yango ayakokuta na bemba totanga toyoka pe message yango bongo to avancer na point na biso ya suka ya FARDC a récupérer Villa Liboso na maboko ya armée rwandaise. Avance FARDC a récupéré Mweso. Et puis, next, mouchaki kichanga. Mais, toba anana message, de Ramaphosa Fatshi. Nde bozo mona ministre de défense, ya, sud-africaine, aye kokuta anana mokonza mboka. Parce que, décision na bango, base lobiboué. Nous sommes venus ici formés pour établir la mission. Et puis, mission wana, comme tâche, la mise en application des décisions par le sommet, et a décidé, pour celle-ci, pour mettre fin à la guerre à l'Est. Le secrétaire exécutif n'a pas pu, au besoin, m'a pu, à l'obaki, yango. Alors, la visite consiste concrètement à s'imprégner de la situation sur le terrain, voir comment c'est à, nous allons aider la mission à établir les besoins du gouvernement et tous les autres acteurs pour le succès de cette mission. Alors, banamboka, ndenge bozo mona wana ayo kutana bemba ministre de défense bangona bazama solo na mesa et puis
Message à Ramaphosa Diète, mais pas Fachiti. Est-ce que vous avez pacifié? Donc, aux hommes, que barmé nyonso, sud-africaine, Tanzanie et Malawi, babaniko koka, bango nyonso. Alors, si koyo, ma sole betamaiku, baiko, donc, on confirme, qu'hésitation est zati, toujours pacifié est wana. Mais, kompas, abarobanda, na, M23. Donc, et là, sous ma kambouya, ba décision te, ils ont confirmé. Et maintenant, et ça qui toko. Alors, sans plus tarder, tout là, un message, y a président sud-africain, et pas y a Fachi. Au bah, y a qui n'ont coupé sa bimba, la ministre de la Défense sud-africaine, bah, on a réunion, bon, autant avancer. Et puis, l'Afrique du Sud s'est dit déterminée à contribuer de manière efficace pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la rencontre hier lundi à Kinshasa entre l'envoyé spécial du président sud-africain pour la région des Grands Lacs, Jeff Radebe, et le vice-premier ministre en charge de la Défense et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba. Les détails avec Jacques-Yves Molima. Le président sud-africain a un seul vœu, celui de voir prochainement l'Est de la RDC retrouver une paix durable et que l'ensemble de la RDC puisse retrouver la paix afin qu'elle puisse développer sa population et le pays. C'est ce qu'a fait savoir l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa au sortir de l'audience avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba. D'après Jeff Radebe, le besoin de la paix est immédiat et son pays étant membre de la SADC, la SADC a décidé d'apporter la paix par la force de sauvegarde de la paix qui est déjà sur le terrain dans l'est de la RDC. Évoquant à l'occasion la coopération militaire entre les deux pays, Jeff Radebe a martelé que la coopération militaire entre les deux pays est très cordiale. C'est un moyen important, dit-il, d'avoir la paix et ainsi voir l'excellence des relations économiques entre les deux pays et aussi voir la prospérité de la population du Congo. Notons que la rencontre entre les deux personnalités s'est déroulée en présence de leurs collaborateurs respectifs. Chers téléspectateurs, Tolandi, Totangi, Mission Wana, Eza, Mission Sami DRC, Eza spécial. Bango bazana besoin ba pacifier est wana bayo ka soit ta groupe armé. Mais bazapene sengo bayo kuta la monter en puissance à FARDC. Et ça li bien. Alors, maintenant baye nango ba pesi ndenge bolandi wana et bana décision ya ko pacifier est. Soto comprendre est wana nous à la pacifier baloba ki pendant 12 mois. Naba document ba signa ki libosu. Donc, détermination ya armée sud-africaine Malawi natan. Eza pona ko silisa. Na farde se po ba o sangan. Na farde se pona ko silisa. Melo na sepelite ba zo sang se su na MONUSCO. MONUSCO ko participe na makambo te bon. Totana. Menandimi te po ba deja biso. Bango ba o kiti. Donc, bah, quoi, ça, on a peiné, on a ma cambole chuté. Parce que, bah, c'est une affection, bon, quand on a chuté, pour Bazoken. Alors, maintenant, tout ce monde a clairement été Bazoken dans la direction, bien, ma camion, ce mon cousin, bon, kalobaki, yango et bani, kosaram. Donc, bateau, baza, kosabilo, qu'on a bango, par force, peut Bazo quitter ma territoire, et qu'on a la récupérer. Mais pour le moment, Sadek, azo banda kalati, mais FARDC d'Azo Sala grand boulot avec l'appui de Wazalendo. Bi loko li kolezo kwe Wazalendo ba Wazalendo ba zo kote la bango. Na katambuka. Donc, et du plaisir pour ces pays. Au moment où Wazalendo ba zane sengo, mais on yoka ba toazo boun, ba on bete masasi ba zako kanga, donc, c'est du plaisir. Alors, FARDC vient de récupérer Mouessou de la main. Il y a armée rwandaise M23. Tout le temps. Les groupes armés locaux de la FARDC ont repris la cité de Mouessou. C'est mercredi 24 janvier de 7h30. Affirme des sources dans cette région, la reprise de cette localité du territoire de Massissi est intervenue lors de violents combats entre les rebelles du M23 et les FARDC ainsi que les miliciens locaux. Des combats à l'arme lourde opposent depuis 3 jours les belligérants de cette partie du Nord Kivu. Les rebelles du M23 ont récupéré Kachouane et Mouessou depuis novembre
dernier, alors que la force de l'EAC était encore déployée sur cet axe. EAC a zalaki wana, les bango bayako bote la mweso wana. Ozomona batoua EAC, ah, non a lisu kotanga bango te, to avance. D'après des sources locales, la population de Mweso s'est réveillée sous une forte psychose ce mercredi à cause des affrontements violents dans la cité mais aussi les localités autour de celle-ci. Une partie de la population s'est dirigée vers Mpati, d'autres ont trouvé refuge à l'hôpital général et à la paroisse de Mweso. Les notables de la région affirment que les FARDC et les groupes armés locaux ont surpris les rebelles ce matin et ont réussi à les déloger de la cité. Le combat se poursuivait dans la matinée dans les localités de Mbouye, Kanyonge et Bukama, à quelques 2 kilomètres de la cité de Mweso. Les rebelles I-23 se seraient retirés dans les collines tandis que les renforts en provenance de Kiliru et Kichanga Bouisa sont visibles sur les axes, affirment les mêmes sources. Toza Koyana Kiliru et Nex, Kichanga Bouisa, Bokomona Yango Biloko Amoto. Alors, quelques tirs ont été également entendus à Kichanga ce matin, ajoute ce source sans plus de détails. Donc, détermination n'a pas wazalin donassé, bah, drone et zobeta bango baso kelibuso. Alors, et l'opé d'un toloba, et ça pour n'a qu'on expliquait pas bah, congolais. N'de bozomona RD123 bah, simbe le coin baso kosa, que eza ya drone n'a biso bango bah, kouisi. Eza bah, fausse information. Alors, tola nan, et en gros, extrait Oyo, bon, auto avance. Au Nord Kivu, des violents combats ont repris ce mercredi matin dans la région de Mweso, en territoire de Masisi. Nos sources dans la région affirment que les groupes armés locaux et les FARDC ont repris la cité de Mweso depuis 7h30 et la population est en débandade. Des combats à l'arme lourde opposent depuis 3 jours les rebelles du M23 aux groupes armés locaux et les FARDC dans cette partie. Rappelons que les rebelles du M23 ont réoccupé Kichanga et Mweso depuis novembre dernier alors que la force de l'EAC était encore déployée sur cet axe. Sifa Maguru pour plus de détails. D'après des sources locales, la population de Mweso s'est réveillée sous une forte psychose ce mercredi à cause des affrontements violents dans la cité, mais aussi les localités autour de Mweso. Une partie de la population s'est dirigée vers Mpati et d'autres ont trouvé refuge à l'hôpital général et à la paroisse de Mweso. Les notables de la région affirment que les FARDC et les groupes armés locaux ont surpris les rebelles ce matin et ont réussi à les déloger de la cité de Mweso. Les combats se poursuivraient dans la matinée, dans les localités de Mbouhi, Kanyangohe et Bukama, quelques 2 à 4 kilomètres de la cité de Mweso. Les rebelles du M23 se seraient retirés dans les collines, tandis que leurs renforts en provenance de Kiloliro et Kichanga et Bwiza sont visibles sur les axes, affirment nos sources. Quelques tirs ont également été entendus à Kichanga ce matin, sans plus de détails. Bandeko, ba wazalendo bazo bunde bolane mwex, bazo bunda vima vek, hein, ma solo kitoko. Baza penana plaisir, baza ko ganga, don, passe diye ma solo esesili. Pona ko deloje batu yo, basi ba kite mwesu, bako zongati. E pinde to okende, marcha en arrière. Paske, sadek bazo banda, musala. Biso toza ko kende, na wazalendo. Mais le quoi les colons ils ont quitté la banque ou Azalen doit se côté la banque. Bandeko, ils ont victoire à faire d'ici. Il faut tout séparer la kesa. Ne dit banda. Ma quand bande première fois baboto la mboka na maboko abatu. Et maintenant, bazo kende pour ilandiwa na Kiliriwe, Kichanga, Kiwanza, Bwiza et puis tout comme na Bunagana. Ma souleci. Et puis, tu comprends, n'est-ce pas, que bazonga simati.
Ba mindelo bazo kosa biso makamu na bawa masolo, dialogo solo la, li kakame s'en fout de tout ça. Bino bo continue bo bombarder bateau bo bengana bango. Soi bo ose la cesse le fe wana ba américain bazo tia bino don a genou, sans le savoir. Bango, ba yebi bien ke, ba okuna bazana cesse le fe, te ba yebi ango très bien. Pourquoi bazo e safar de sa sa cesse le fe? Bozala maele. Parce que tout ce qui se passe à l'Est, on voit très bien qu'il y a un complot international. Oh, et n'engue pas au kende faire de ce qu'on a simaté. Tout cela va vivre nyonso. Bo kende tibu na gana peuple na zonga. Bango bazo ya kwe ide bango na aide humanitaire kwa yako sunga batuana. Me wane za musala mokote. Batuana bako bazo liaka bino bo pesa bo mazana plasa pasi. Batuana fuba kite ba kenda banda kuna bango. Mais pourquoi Occident bosali yamuti? Mais bozo préféré tant avion ba conteneur ya biloko ba ko pesa en place à passe. Est-ce qu'ils ont besoin de ça premièrement? Bazana nzala oui, bazana posa kolia oui, mais posa na bangwa zongela bilanga na ye. Bato baza vraiment mystique parce que bandeko bo comprendre que Kagame ndenga zawana. Asa yeloko loba na ba Ameriken te. So ba yebisye pan sali. Me paske kope zana kati. Baso kwa ko oblige ete. Alo ba konti bo tika uzela ba nsolo na bangwana. Bo tika na marko waka ba kuverti. Tika na marko wane pibu sasa bango ba kende. Machi pe sila. To gaye bitumba uyu. Alo ba na mbuka. Antuka. Ndenge makambo ezo kende. Toko gaye machi. Et puis, bitumbo yko koma histoire na mboka na biso. Nous avons beaucoup souffert. Et comme étant souffrant sur ici là, batouba avancé. Et puis, mboke ken liboso. Alors, chers téléspectateurs, to tangi to yoki biso nyonso. Et comme étant ouyo, bende le kweyate, fardé se aboto li mweso. Bande goze sengwa. Komona penake, ni kole wume li po bangoba récupérer mboka na mboka armée rwandaise. Tout ceci n'est ni collant à conseil à Occident. Oh, bon, sur l'autre, mais, bango, tant au sol, là, tous ces gens, vas-y, s'approvisionnent à mes, en munitions. Et maintenant, tout ce qu'il y a, bango, marche en arrière. Wapi, t'y aller, dormir à Kichanga. Donc, n'est-ce tout ce qu'il y a, ça qui toque. Maintenant, ce conseil congolais, loin, mais le wa qui toque pour l'armée. Bende le kouyati, mais le wa qui toque, pena pour l'armée, oyo. Non, bah, ça la fierté. Bazo bunda pinza. Et puis, le wazalendo. Bah, ça la gama solo. Bolande, bazo ganga. Bazana katia bitumba. Masolo kitoko. Alors, bande konangai. To komo, komane fin mission. To senga, bo s'abonner massivement. Bo continue ko s'abonner, joindre biso. Et dakamingi. Alors, c'est à ce point. To komo clôturer mission na biso. Bon partagez bande konanga, bon s'abonner. Au revoir. À la prochaine.